Bienvenue sur FR Delinet. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de « Ici, tout commence », spoilé, preview de l'épisode 149 du 27 mai 2021. Mehdi est choqué d'apprendre que Tessier et Lina l'ont trompé. Mehdi croit toujours qu'il a fait son dessert signature. Alors qu'il envisageait les prochaines étapes, comme trouver un nom pour sa pâtisserie ou même créer sa propre marque, il a perdu ses illusions lorsque Lina et Tessier lui ont expliqué qu'il devait continuer son traitement et se reposer. Lina est prête à tout pour le bonheur de son fils et elle lui propose de rentrer chez elle. Elle a même dit qu'elle était également prête à accueillir Hortense. Mais Mehdi ne pouvait pas offrir à sa petite amie l'absentéisme comme approche d'évaluation. Tessier voulait être rassuré, prêt à trouver une solution. Mehdi avait réalisé à quel point sa famille lui manquait, mais il ne pouvait pas se voir parti sans Hortense. Il veut passer le reste de son temps avec sa petite amie. Hortense accepte de le suivre. Lina remercie Hortense de ne pas avoir dit la vérité à son fils, mais la jeune femme a beaucoup de mal à mentir à Mehdi. Rose et Antoine prévoient d'organiser une petite cérémonie de départ pour Mehdi autour de la dégustation de son dessert signature. Ils prévoyaient d'inviter des journalistes gastronomiques à goûter les pâtisseries et à interviewer Mehdi, mais Tessier a refusé, disant que Mehdi serait fatigué. Rose et Antoine acceptent de s'installer juste pour commencer les verres. Tessier empêche Noémie de goûter le dessert signature de Mehdi en le jetant à la poubelle. Méfiant, le pâtissier se tourne vers Hortense, qui finit par rompre le nœud et lui révèle que Tessier a menti à Mehdi. Noémie croit que ses élèves ont le droit de connaître la vérité. Hortense a supposé que c'était à elle. Au cours de la cérémonie, Mehdi a prononcé un discours émouvant dans lequel il a remercié ses amis, parents et professeurs d'avoir cru en lui. Mais quand Mehdi a voulu remercier Hortense, elle l'a interrompu. Les larmes aux yeux, elle rassembla son courage à deux mains. Hortense lui demande pardon d'avoir ruiné le plus beau jour de sa vie. Elle lui avoue alors devant tout le monde la vérité, à savoir que Tessier et Lina lui ont menti au sujet de son dessert signature pour qu'il quitte l'institut et se fasse soigner. Tessier avait fait signer le contrat à Olivia la veille. Maintenant, elle fait officiellement partie de la faculté. Rose est très contente de cette nouvelle. Olivia et Claire lui ont expliqué qu'elle créerait un menu vegan pour le couple à ensemble. Rose leur a suggéré de faire un rapport sur le compte Instagram de l'Institut au sujet de leurs recettes. Deux chefs sont prêts pour cela. Claire et Olivia ont demandé à Lionel de travailler avec eux sur le nouveau menu. Les étudiants ont accepté avec joie. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Merci.